Assalamu alaikum, Oustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Merci de répondre encore une fois à notre invitation ici à guinematin.com. On va aborder également aujourd'hui encore d'autres sujets importants liés à la religion musulmane. On va commencer par un sujet d'actualité qui est celui des 10 derniers jours du mois saint du Ramadan dans lequel nous sommes. Parlez-nous de l'importance et de la particularité de ces 10 derniers jours du Ramadan. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est la partie la plus importante de ce mois de Ramadan. Vous savez, le mois est divisé en trois parties. La première partie qui est appelée miséricorde, la deuxième partie, le pardon, et la troisième partie qui est l'affranchissement de l'enfer. Cette partie, c'est la partie la plus importante parce que se trouve dans cette partie la nuit du destin, l'Ayatul Qadr. Donc l'Ayatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Comme l'a dit le prophète, paix et salut sur lui, recherchez cette nuit dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et cette nuit, vous savez qu'elle est très très importante puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran Laylatul Qadr khayru min al-shahr. Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Donc si on adore Allah dans cette nuit de Laylatul Qadr, c'est comme si on avait adoré Allah pendant 1000 mois. Et 1000 mois équivaut à 83 ans et 4 mois. Donc, cela est très très important. Nous savons, en notre temps, il est rare de voir quelqu'un qui peut atteindre 80 ans. C'est très rare, à plus forte raison, de passer les 80 ans. Avoir une récompense qui est égal à 80 ans et quelques, ça c'est énorme. Donc voilà pourquoi cette dernière partie est très très importante pour les musulmans. Alors, qu'est-ce qui est particulièrement demandé justement aux musulmans pendant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan? Pendant ces 10 derniers jours et surtout les 10 dernières nuits, c'est de prier, et d'aller dans les mosquées et faire cette prière nocturne appelée Qiyamul Layl. Donc cette prière, faire tout pour assister à cette prière et pendant les 10 nuits ou les 9 nuits. Donc Qiyamul Layl, tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde peut participer à cette prière. En tout cas, le prophète, paix et salut sur lui, quand arrivait cette partie, c'est-à-dire la troisième partie du mois de Ramadan, il se levait, il attachait la ceinture et il réveillait sa famille. Et tous ceux qui peuvent prier, il les réveillait pour participer à cette adoration. C'est ce qui est demandé aux musulmans. Donc d'aller dans les mosquées de minuit jusqu'à 4h du matin et faire cette adoration, faire ces prières. C'est ce qui est demandé aux musulmans. Et qu'est-ce qui est, en tout cas celui qui participe à cette prière, celui qui jeûne et qui fait toutes ces bonnes œuvres-là, à quoi est-ce qu'il peut s'attendre comme récompense? Bon, la récompense, comme on l'a dit à l'entame, si Allah nous donne la chance de tomber sur la nuit de Laylatul Qadr, puisque personne ne sait, dans ces 10 dernières nuits, c'est dans laquelle se trouve Laylatul Qadr. Donc personne n'a cette connaissance. Il y a beaucoup qui se trompent, qui pensent que la nuit se trouve dans la nuit du 26 au 27. Mais cela n'est pas fondé. Donc,
faire, de rechercher la nuit dans les 10 dernières nuits. Et si Allah vous accorde la chance et que vous tombez cette nuit, vous avez la récompense de quelqu'un qui a adoré Allah pendant 83 ans et 4 mois. Okay. On va parler également de l'après Ramadan. On sait qu'actuellement... Non, attendez. Et il y a une invocation. D'accord. Il y a une invocation. Notre mère Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète, paix soit sur lui, a demandé au prophète, paix soit sur lui, quand arrive la dernière partie, la dernière décade du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'elle doit dire? Le prophète, paix soit sur lui, lui a dit, il faut dire cette invocation. Et c'est la suivante. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Dieu, tu pardonnes, tu aimes le pardon, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Dieu, tu pardonnes, tu aimes le pardon, pardonne-moi. C'est la signification. Donc c'est cette invocation qu'il faut réciter pendant ces 10 derniers jours. Nuit et jour, surtout si on arrive à veiller pendant la nuit. Donc à chaque fois, on doit dire Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc ça c'est très 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 important pour les musulmans. Donc il faut retenir cette invocation. C'est la seule invocation que le prophète paix soit sur lui a enseigné à notre mère Aïcha. Et c'est l'invocation qu'elle devait réciter quand arrive cette dernière partie du mois de Ramadan. On sait qu'après le jeûne du Ramadan, il y a également l'aumône que les jeûneurs doivent, auquel ils doivent s'acquitter. Parlez-nous de cet aumône-là et quelle est son importance? Bon, l'aumône de la fin du mois de Ramadan, l'aumône de la rupture, c'est comme ça s'appelle, Zakat al-Fitr, c'est une aumône qui n'est pas comme les autres. Pourquoi? Puisque cette aumône, nous savons, l'aumône, c'est quelqu'un qui est nanti, qui a les moyens, qui est censé donner l'aumône en général. Mais ici, ça ne demande pas les moyens. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Puisque ici, même les bébés, même le bébé qui est né le jour de la fête, avant la prière, il doit donner cette aumône. Donc c'est une aumône qui n'est pas comme les autres. Et maintenant, c'est le chef de famille, c'est-à-dire le père de la famille, c'est lui qui doit s'acquitter de cette aumône, et pour lui, et pour tous les membres de sa famille. Et tous ceux qui travaillent pour lui, y compris les domestiques. Donc il doit donner leur aumône. Il doit donner pour tout le monde. C'est la particularité de cette aumône qui est appelée Zakat al-Fitr. Donc tout le monde, en tout cas, si on a de quoi en manger et il y a du reste, le jour de la fête, il faut donner forcément, obligatoirement, cette aumône. Alors, cette aumône-là, je rappelle d'ailleurs qu'elle a été fixée, selon les autorités religieuses, à 2,5 kg, en tout cas de riz, ou à 14 000 francs guinéens. Maintenant, en ce qui concerne la date de cette aumône-là, à quel moment le jeûneur, ou le musulman en tout cas en général, doit s'acquitter de cette aumône-là? Est-ce que c'est après la prière? Ou bien c'est avant la prière? D'abord, je reviens d'abord à ce que vous venez de dire, la quantité et le prix qu'ils ont donné. La quantité, oui, c'est normal. Chaque tête ou chaque personne, c'est 2,5 kg. Mais on ne doit pas se référer sur les bascules. Nous avons le pot avec lequel on doit peser cette aumône. Donc il faut chercher ce pot-là. Donc c'est à partir de ce pot qu'il faut peser l'aumône.
Donc, comme vous venez de le dire, et le monde, c'est la nourriture qu'il faut donner, ce n'est pas l'argent. Il ne faut pas donner l'argent. L'argent, puisque le prophète, paix soit sur lui, à son temps, il y avait de l'argent. Mais il n'a pas donné de l'argent. Donc, il faut donner la nourriture. Et on parle ici du riz, du maïs, fonio, etc. Il faut donner la nourriture. Il faut s'abstenir de donner l'argent. Il ne faut pas donner l'argent. C'est l'argent, c'est quand est-ce qu'on doit donner l'argent? C'est quand il n'y a pas des gens qui ont besoin de la nourriture. Et ça, je crois que ce n'est pas en Guinée. En Guinée, je ne crois pas, il y a un endroit en Guinée où on a des gens qui n'ont pas besoin de la nourriture. Surtout le riz. Donc, il faut aller acheter le riz et venir peser avec le pot et donner ça aux pauvres musulmans aussi. Aux pauvres musulmans. Donc, c'est très très important, il faut le préciser. Donc, cette aumône, on doit la donner dès le 28e jour, on peut commencer à distribuer cette aumône. Mais, il est préférable de donner cette aumône le jour de la fête avant la prière. C'est-à-dire au petit matin, on se lève très tôt, après la prière de l'aube, on compte le nombre de membres de la famille et ensuite on commence à peser avec le pot. Et on a fini, automatiquement on commence à distribuer. Et aussi, il est préférable de réunir cette aumône dans les mosquées, d'amener cette aumône dans les mosquées. C'est plus bien. Donc, pourquoi? Parce que, vous savez, la plupart des pauvres viennent dans les mosquées. Donc, amener cette aumône dans les mosquées, donc c'est mieux. Et là aussi, la distribution va se faire rapidement aussi. Mais ce qu'il faut éviter aussi, c'est pourquoi beaucoup n'amènent pas cette aumône dans les mosquées. Parce qu'il y a des ces mosquées, quand on amène l'aumône là-bas, les gens qui sont chargés de la collecte, ils ne redistribuent pas. Ils prennent ça pour argent comptant. C'est-à-dire qu'ils prennent ça pour eux-mêmes. Donc ça, c'est interdit. Ça, c'est quelque chose que tout le monde... ce n'est pas dans toutes les mosquées. C'est, mais il y a des endroits où c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Quand on réunit cette aumône dans les mosquées, il faut penser aux pauvres. Cette nourriture appartient aux pauvres. Comme l'a dit le prophète, paix soit sur lui, c'est une nourriture pour les pauvres. C'est pour les empêcher, c'est pour les aider à ne pas commander ce jour-là. Le jour-là, tout le monde est dans la ferveur, tout le monde est joyeux. Donc, eux aussi, ils doivent participer à cela. Donc, voilà pourquoi cette aumône a été prescrite. On va aborder un dernier point, c'est celui de l'héritage en islam. C'est un sujet qui est peu connu. Parlez-nous de comment ça se passe au niveau de l'héritage au niveau de l'islam. Comment se fait la répartition de l'héritage? Bon, ça c'est une question qui est un peu difficile parce que, comme vous l'avez dit, le plus souvent, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à cette question. Et cette question est très très importante puisque nous savons à chaque fois il y a les gens décèdent et qu'ils laissent derrière lui une richesse. Donc cette richesse doit être partagée équitablement comme l'a dit la religion. Et cela a été bien défini par notre religion. Et cela se trouve dans les versets du Saint-Coran et dans les hadiths du prophète, paix soit sur lui. Donc, ici, peut-être bref, l'héritage, tous les enfants héritent. Filles comme hommes, filles comme garçons, tout le monde hérite. Donc, ce n'est pas comme le pensent certains, c'est les garçons seulement qui héritent. Non, ça c'est une erreur. Mais seulement, la part des hommes, la part des garçons est supérieure à la part des filles.
Pourquoi? Puisque nous savons, c'est l'homme qui a la dépense. En islam, c'est l'homme qui se charge de la dépense. Donc, voilà pourquoi la part des garçons est plus élevée que la part des filles. Mais les filles aussi, elles héritent. Donc, et tout le monde, les femmes, quand une femme, son mari décède, elle a sa part dans l'héritage. Quand une femme meurt, elle laisse une richesse, son mari a sa part dans ce qu'elle a laissé. Il y a un pourcentage de répartition. Oui, 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 c'est réparti. C'est réparti, mais si comme le temps ne nous permet pas, on ne peut pas faire ces répartitions. Mais il faut dire que l'islam, en tout cas, dit que et les enfants, les filles comme les garçons, et le mari, et la femme, et la maman, et le papa, tous ceux-là, ils ont leur part dans l'héritage. Donc personne ne doit être exclu. C'est ça, c'est ce que la religion dit, c'est ce qui est écrit dans le Saint-Coran et dans les hadiths du prophète, paix et salut. Merci beaucoup, Ustaz. Voilà, c'est moi qui vous remercie.